totalement. Salut. En forme? Oui, nickel. Bon, la météo, qu'est-ce que ça donne? Ouais. À 11h, vent du nord-ouest. 5 degrés à 11h. Bon, bah, allez. En route. Jambière neuve, cuissard neuf, maillot neuf. Si on met pas le neuf, on se fait engueuler. On va rentrer beau dans l'histoire. Ouais. On gagnera peut-être pas la course, mais on sera peut-être les plus élégants. Sur la potence, ça peut me servir, savoir où je vais vraiment en chier. T'as pris ton papier, Uta, pour sur la potence? C'est un paquet de secteurs. Mine de rien. Au boulot! Ouais, comme d'hab. Fais attention à un, mais en passant, tu vas passer au passage à un niveau. Hein. Fais attention. Hein. D'accord, merci monsieur. Bonjour, chers amis. Bonjour. Bonjour. C'est un petit peu courant d'air ce matin. Je viens de vous distribuer le parcours et le pronostic. Donc le pronostic, vous me le rendrez après notre deuxième arrêt pavé. Après Sarcey-Rosières, c'est-à-dire. Moi, j'en ai encore derrière. Il n'y en a pas eu encore, là. Paris, c'est fini. Kixa, quoi. On va mettre celui-là, tu vois. C'est un esprit famille, on essaie de travailler sérieusement tout en ayant des plages de décontraction à l'intérieur du groupe. Puis on essaie de préserver l'aspect humain dans le fonctionnement de l'équipe. Il y aura les barrières à remettre parce que quand ils ont fini de travailler. Il n'y en a plus de barrières. Non, mais là, les remettre en place. Ah là, ouais, à ouais. Finir ici et faire le tour de la zone technique attachée. Ouais, les, hein? Ouais. Mais les escaliers, tu viens avec nous ou on va. Ouais, je viens avec vous. Ouais. On va mettre l'escalier des photographes. On est en train de finir le montage et il nous reste à peu près 2 heures de montage et on sera prêt. Ouais, les gars, on les bouge. Hein. Ah ouais. Ouais, ça. On prépare tout le matériel qui nous permet de faire la photo finish, le chronométrage et les classements. C'est les caméras qui prennent jusqu'à à peu près, on peut aller jusqu'à 10 000 photos par seconde. Et ensuite tout ça c'est regroupé dans la machine, ça fait des classements, ça donne un temps à chaque coureur, ce qui permet d'éditer les classements derrière avec les cassures exactes, etc. Ha ha ha!
Le sonneur officiel est en train effectivement de retrouver, il aime bien Serge cette belle épreuve puisque le Vélo Club de Roubaix, rappelons-le, bien depuis 10 ans déjà, mon cher Daniel. Bonjour Jean-Louis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc sur le vélodrome de Roubaix, et aujourd'hui eh bien Tom Bonnen qui en est à 3 victoires, donc essaiera de se rapprocher, de rejoindre Roger de Vlaeminck qui détient le record de victoires sur les routes de Paris-Roubaix. Les spécialistes de Paris-Roubaix préparent leur saison, pensent dès le mois de janvier à ce mois d'avril, et puis on arrive sur ce vélodrome qui est un site merveilleux parce que c'est un livre d'histoire à ciel ouvert que nous avons ici. Les plus grands champions sont passés par là, ont gagné, parfois ont été battus, mais ont vécu des moments d'une intensité forte. Paris-Roubaix, c'est à la fois mythique, mystique, c'est quelque chose qui nous permet d'entrer dans une autre dimension. Et moi, je le ressens le matin, lorsque j'accueille les coureurs au contrôle de signature, dans n'importe quelle autre épreuve, il y a une petite blague, une petite... Tandis que là, on les sent, ils sont dans leur bulle, ils sont impénétrables et véritablement, on ne peut pas... On communique avec eux, mais ils ont envie de repartir très vite sur le vélo. Ils font communion avec la course et avec les 250 et quelques kilomètres entre Compiègne et Vélodrome. Ils sont partis à peu près au kilomètre 70, hein. Ça a bagarré très fort au début parce qu'il y avait 48 de moyenne dans la première heure. Donc la course en ce moment est en train de se dérouler sur la gauche, on la voit pas, hein. C'est un petit peu loin, mais on contourne tout par la droite pour revenir sur Valenciennes. Et und das war ja auch seine Hoffnung in diesem Jahr wieder. I thought Sebastian Turgot there was about to come into our living rooms. En tout cas, Balan fait des formes, parce qu'il se rend compte qu'on est peut-être à un moment clé. Bonnen nous fait une canne sur la main il y a 2 ans là. Thank you.
à l'ovation du public pour Tom Bonnen, 4 fois vainqueur de Paris-Roubaix. Il rejoint ainsi Roger Domladic. Allez, t'as fini bien, mon chien. Fais-le pleurer, je vais le faire en ma vie. Voilà, où tu prêtes? Bravo, Fred! Les champions sont venus dans cette douche. Malheureusement, ça se perd un peu, puisque je pense que les derniers vainqueurs se douchent dans leur bus maintenant. C'est dommage, mais je pense qu'il faudrait remettre ça au goût du jour et je pense que ça devrait rester une tradition.